Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. J'annonce que Carlsville est ouverte. C'est le moment de jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Waouh, c'est fantastique, quelle minutie! Je peux le garder? Oui. Carlsville, c'est ma ville. Et figurez-vous que je cherche un associé. Une personne qui ait un sens des affaires très prononcé. Ce n'est pas n'importe quel citronnard. N'augmentez pas les prix, d'accord? Je ne me considérerai pas comme responsable de ce qui pourrait arriver à un petit cochon cupide. S'il vous plaît, du calme, nous ne nous appelons pas. Il reste encore un verre et je serais vraiment ravie de le vendre tout de suite au plus offrant. Cette fille n'est rien de plus qu'un sale petit cochon cupide. Tu vas quand même pas le balancer à la poubelle? Eh ben tu vas voir. Le truc est génial. Il porte malheur, Sam. Faut être fou pour jeter ça à la poubelle. Allez, attrape l'autre côté. D'accord. Fini de jouer les intéressants. Il faut y aller, chérie. Ah ouais, je viens. Je te parie qu'on te fera jouer aujourd'hui. Ouais, tu parles. Matthew Erickson est à la batte. Meilleur batteur de l'équipe, deux dedans, deux dehors. Erickson se dirige vers le marbre. Le lanceur envoie la balle. Et excellente réception du batteur. Cette balle a une chance. Elle va passer, elle va passer. Ça y est, c'est gagné. Les Tigers remportent le championnat. La foule se lève et acclame l'équipe gagnante. Tu es prêt? Oui, j'arrive. Evans, concentre-toi, tu as compris? Tu sais que tu peux le faire, alors pas de bêtises. Prépare-toi à une bonne réception, je compte sur toi, Evans, concentre-toi! Allez, allez, Evans, c'est toi le meilleur! Temps mort! Temps mort! Erickson n'a pas joué, il est toujours sur le banc. Le règlement stipule clairement que tous les petits doivent participer à au moins un match chaque saison. Ça, c'est la meilleure. Il s'agit pas seulement de gagner. Notre travail, c'est de faire en sorte que chaque môme puisse avoir sa chance, tu comprends ça? Et quoi encore? Il s'agit d'un championnat de quartier, tu dois laisser jouer le petit. Mais si je le fais jouer, on perd, ça c'est certain. Si tu le fais pas jouer, tu vas perdre d'office. Alors fais-le jouer. Evans, va t'asseoir. Mais je suis la vedette. Retourne t'asseoir. Erickson. Quoi? Prends ta batte, mets-toi en place. Qui ça, moi? Oui, mais ça va pas. Ah non. Oui, ouais. C'est toi qui vas jouer. Allez, dépêche-toi. Quelle surprise. Vas-y, mon grand, tu vas y arriver. Fais-moi plaisir, Erickson. Quand la balle arrivera, ferme les yeux. Peut-être que t'auras de la chance. N'oublie pas, Matt, garde toujours les yeux sur la balle, d'accord? Erickson, ça c'est une balle et le but c'est de la frapper avec la batte. Je connais les règles, merci. Dommage que tu saches pas les appliquer. Stryze! Oh, allez, Matt, concentre-toi! Vas-y, Matt, tu peux y arriver! Ouais. En place! Oh. Achète-toi des lunettes! Ça va marcher, Sam, ça va marcher! Et concentre-toi! Ouvre les yeux! Strike! Allez! Tu ne regardes pas la balle, Matt! Concentre-toi, bon sang! Ne vous fatiguez pas, les gars! On n'a plus aucune chance! Erickson, tu as les bombes! Ils vont pas faire quand même! Allez! C'est le moment ou jamais!
Troisième prise, éliminé. Bon, on s'en va. Tu étais à deux doigts de l'avoir, Mac. Pour un peu, tu envoyais cette balle à 1 km. Bah ouais, si je m'étais un peu plus concentré, je sais. Tu as été formidable. Tu as vraiment fait de ton mieux, tu sais. On peut rentrer maintenant. Eh, hey, t'inquiète pas. Tu as fait ce que tu as fait. Salut. Ouais. Bien joué quand même. Ah, quel dommage. Ouais. Jette ces jeux concours pour attrape Nigo et c'est mange. C'est très sérieux? Il y a des milliers de gens qui gagnent à ces jeux. Il y a forcément un gagnant. Un jour, ce sera moi. Je peux quitter la table, s'il vous plaît? Voyons, essaye de manger. Mais j'ai pas faim, maman. Bon, d'accord. Ça va? Tu sais, je suis fier de toi. Fier de quoi? Que tu aies essayé. Écoute, Matthew, je sais que tu es déçu. Mais tu as eu ta chance. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais, maman a loué une vidéo. Pourquoi tu ne viens pas la regarder? Non, je crois que je vais rester ici plutôt. Comme tu voudras. Tu sais, Matthew, il y a des tas de choses où tu peux être très fort. Le baseball, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important au monde. Et maintenant, le batteur sera Matthew Erickson. Championnat de Carlsville. On y joue comme nulle part ailleurs. Bientôt. Tu es prêt? Moi? Bah, t'as l'air habillé pour ça. Mais enfin, j'étais dans ma chambre et je regardais ce terrain de jeu en modèle réduit. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle le petit championnat. Alors, tu entres dans mon équipe ou pas? Votre équipe? Où est-ce que je suis d'abord? À Carlsville, la ville des Carlsville Crunchers. Ce soir, c'est le match des matchs. Tout le monde est venu t'applaudir. Je vois personne, moi. Tu peux me croire, ils sont là. J'ai besoin d'un batteur, et c'est toi qui vas commencer. C'est moi qui vais commencer? Bah, évidemment. C'est toi le champion, c'est toi la vedette. C'est toi l'attraction principale. Mais on me l'a jamais joué en premier, et puis j'ai même pas de gants. Bah, t'en auras pas besoin, tu es à Carlsville. On y joue comme nulle part ailleurs. Batteur, c'est à toi. C'est une belle soirée. Match en perspective. Les admirateurs sont là, le joueur est prêt. Nous allons bientôt pouvoir commencer. Mais d'abord, notre hymne national. Oh, Carlsville, Carlsville, tu as conquis mon cœur. Carlsville, oh, Carlsville, nous t'aimons, toi et ton fondateur. Carlsville.
Merci. Chaque fois, ça me fait pleurer. À toi de jouer, petit. Tes fans s'impatientent. Et n'oublie pas, le but du jeu, c'est avoir la victoire en poche. Je connais les règles, merci. C'est ce qu'on va voir. Préparez-vous! Mais où sont les autres joueurs? Ne t'occupe pas des autres. Pour le moment, concentre-toi. Comment est-ce que je peux renvoyer la balle s'il n'y a pas de lanceur? Batteur en place! Notre joueur va maintenant se préparer à envoyer la première balle. Raté, première prise! Prise et de deux. Deux prises pour Erickson. On dit jamais je sais trois. Mais ici, tout est différent. Je peux renvoyer cette balle. Et la balle est renvoyée. Vas-y, cours! 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 Erickson semble avoir un petit peu de mal à atteindre la première passe. Ah, Erickson a rejoint la première passe. Seulement, on ne se repose pas, il y en a trois autres. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce match, la noix? C'est le match de ta vie, petit. Vous essayez de me faire du mal. Arrête de gémir. Normal qu'on ne te fasse jamais jouer. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir la victoire dans la poche. Et de l'initiative. Erickson prend une sage initiative. Il est prudent et je ne peux pas l'en blâmer. Ne te laisse pas abattre. Visez bien, faites tomber le garçon et partez avec le premier lot. L'excitation monte dans les gradins. Il n'y a pas à dire, ça marche pas seulement. Je rappelle que les spectateurs ont le droit de conserver toute balle envoyée dans les gradins, comme souvent. Sors de cette base! Montre-toi agressif! Le but est à portée de ta main! Non, jamais! Je ne bougerai pas d'ici! J'y suis, alors maintenant j'y reste. Cet endroit est le seul où je sois vraiment en sécurité. Tu te trompes. Oh. Ah ah au secours, vite! Aidez-moi! Je vous en prie! Passionnant! Huh?
es en sécurité pour l'instant. Pourquoi vous ne me laissez pas rentrer chez moi? Mais vas-y, il te suffit de marcher jusqu'au bout du terrain. Alors, pour y arriver, tu préfères le passage de souris ou bien le coupe-gorge? Mais dans le baseball, il n'y a jamais un seul joueur. C'est simplement pour rendre le match plus intéressant. Oh, je te présente mes excuses. Tu veux d'autres joueurs? En troisième base, le chouchou de ces dames. Le toujours aussi séduisant Boniface. Ouais! Et une nouvelle recrue dans l'équipe des Cardsfield Crunchers. La terreur des terrains de baseball, l'affreux Berk. Eh bien, à vous l'honneur. On se sent un peu à bout de souffle, hein? Erickson a l'air gêné dans ses mouvements. Un cornichon dans son bocal serait plus à l'aise. Ça ne s'arrange pas. Mathieu n'a pas le choix. Il va devoir plonger pour se sauver. Maintenant. Non. Jessica Walters aimerait te voir, Matthew. Ouais. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est au sujet des cartes de baseball que je t'ai achetées. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Alors, ça veut dire que j'ai pas rêvé? Tu t'es retrouvé coincé là-bas, toi aussi? Oui, c'était horrible et j'ai cru que je reviendrais pas. Il faut mettre ce truc en pièces immédiatement. Comment on va faire? Je sais, mon père a un gros marteau dans son garage. Allons le chercher. Ouais. Waouh! Todd Erickson, vous avez gagné notre grand prix. Youpi! Renvoyez ceci à Cardsville pour avoir votre récompense. Où c'est, Cardsville? Livraison express. Mais nous avons un gagnant. Et un habitant de plus. We'll be right back.